Bonjour à tous. Nous abordons aujourd'hui la vie de Saint Ida Pierdemann, la sixième et dernière personne canonisée jusqu'à ce jour dans l'Église de Jean. Saint Ida a eu une mission bien spéciale à remplir au cours de sa vie. C'est elle la voyante des apparitions de la Dame de tous les peuples. C'est elle que le Ciel a choisie pour nous transmettre ses messages. Ida naît à Alkmaar, aux Pays-Bas, le 13 août 1905. Sa mère décède alors qu'elle n'a que huit ans. Suite à cette triste épreuve, la famille déménage à Amsterdam. Tous vont à la messe chaque dimanche et Ida se confesse les samedis. Ida a douze ans lorsqu'un premier fait surnaturel survient dans sa vie. Un samedi, alors qu'elle retourne à la maison après s'être confessée, elle voit au bout de la rue une lumière extraordinaire et, dans cette lumière, apparaît une femme qui tend les bras légèrement écartés. Le regard et le sourire de la femme sont empreints de douceur. Ida n'a jamais rien vu d'aussi beau. Après l'avoir contemplée, suivant l'invitation de la femme, elle poursuit son chemin. C'était le 13 octobre 1917. Ce même jour avait lieu à Fatima la dernière apparition de Notre-Dame du Rosaire, ainsi que le miracle du soleil. Ensuite, pendant des années, des faits inexplicables et inquiétants surviennent dans la vie d'Ida. Sa famille en est témoin. Le diable pressent le grand rôle qui l'attend et il veut l'en détourner. Heureusement, Ida est toujours protégée. Et il ne lui arrive rien de grave. Ida grandit. Elle est appréciée pour sa gentillesse et sa modestie. Voulant devenir professeur auprès des jeunes enfants, elle fait un stage. Mais on la renvoie. On lui dit qu'elle n'a pas assez d'imagination et d'inventivité. Ida se trouve finalement un emploi de bureau pour une compagnie de parfums d'Amsterdam. Nous sommes le 25 mars 1945. Ida a 40 ans et elle vit avec ses sœurs. Ce jour-là, elles reçoivent la visite d'un prêtre ami de la famille et elles discutent avec lui. Tout à coup, Ida voit une vive lumière qui provient de la pièce voisine. Elle s'y rend. La lumière remplit tout l'espace. Les murs et les meubles disparaissent. Dans l'immensité de lumière, Ida voit une femme qui lui présente un chapelet. Elle pense que c'est la Vierge Marie. Elle lui demande, Êtes-vous Marie L'apparition répond, L'on m'appellera la femme mère. Puis, la vision s'efface. C'était la première apparition de la Dame de tous les peuples. En tout, sur une période de 15 ans, elle va apparaître 55 fois à Ida. Dans ses messages, la dame explique qu'elle est la co-rédemptrice et elle annonce qu'elle vient dans le monde, en notre temps, afin de conduire les peuples au royaume. Suite à ces apparitions, Ida demeure la même femme simple et modeste, mais, intérieurement, elle s'applique à suivre les demandes de la dame, comme celle de réciter souvent sa puissante prière et celle d'accepter ses souffrances avec amour. La Dame confie une importante mission à Ida, celle de faire connaître ses messages, de diffuser sa prière et son image. Elle lui dit, Toi, enfant, tu es l'instrument chargé seulement de transmettre ces choses, tu les feras connaître. Ida est un modèle d'obéissance, car elle a respecté à la lettre les demandes de la Dame. Elle n'a pas cherché à expliquer les messages. Elle savait que ce n'était pas sa mission, mais elle a passé des heures et des heures à expédier des images et des livres à tous ceux qui lui en faisaient la demande. Ida est aussi un modèle de foi, car même si les apparitions de la Dame de tous les peuples étaient incomprises et combattues, même si certains se moquaient d'elle dans les médias, Ida n'a jamais cessé de croire à la Dame et en ses messages. Ida Pirdemann et Marie-Paul se sont rencontrés quelques fois lors de séjours de Marie-Paul en Europe. Un jour, en septembre 1977, Marie-Paul assiste à une messe dans la chapelle de la Dame de tous les peuples d'Amsterdam. Ida est présente, elle est assise à ses côtés. Durant la messe, Ida voit une vive lumière, puis, à la communion, elle voit comme une main qui pointe Marie-Paul et elle entend à son sujet. Elle est la servante. C'est très fort comme expression, car elle équivaut, selon l'esprit des messages, à désigner Marie-Paul comme étant la dame de tous les peuples. Lorsque la voyante raconte cette grâce à Marie-Paul, le directeur spirituel d'Ida, qui est présent, cherche à modifier ce message. Mais non, Ida ne se laisse pas faire. Habituée à transmettre les messages sans les modifier, elle répète la phrase telle qu'elle l'a reçue et elle frappe la table pour signifier qu'il n'y a rien à rajouter. C'est une belle preuve qu'elle avait vraiment le souci de transmettre fidèlement les paroles du ciel. Après avoir vu la dame telle qu'elle se présentait dans ses apparitions, Ida, en rencontrant Marie-Paul, a eu la grâce de la voir telle qu'elle est venue dans le monde pour accomplir la co-rédemption. Comme prière finale, nous allons reprendre en union avec saint Ida Man la prière qu'elle-même a récitée quotidiennement depuis son 16e anniversaire. Cette prière résume le chemin de sanctification qu'elle a emprunté durant toute sa vie, car il ne lui a pas suffi de recevoir les messages de la Dame pour devenir sainte. Avant, pendant et après les apparitions, elle a toujours fait des efforts pour grandir en sainteté. Prions ensemble, puis je vais vous bénir. Mon Dieu, apprends-moi à prier. Que je sois heureux ou que je souffre, apprends-moi à croire, à avoir confiance et à être patient toute ma vie. Apprends-moi à toujours discerner ce que toi, ô mon Dieu, tu désires de moi. Apprends-moi à oublier ma volonté propre pour faire en silence ce que tu m'apprends. Amen. Et que la divinité tout entière vous bénisse ainsi que tous ceux qui vous sont chers, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.